Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Utawala wake, waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo, kwa bure. Uishi milele, utawale milele. Tukupenda. Mwana ya Kongo na sepeli komo na prezida na ngai Kisekedi yo na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu to sepeli mingi komo na ye yango yo ngai na kobetale maboko maboko yango yo ngai na koyembela ye yango yo tika na ebisa ye na motema na ngai yo oh, oh. Umela prezida na ngai Umela papa Tshisekedi Umela, 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 umela papa nanga yo oh, oh, oh. Mon président Chilombo. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue sur TV du peuple RD Congo. Une télévision qui a toujours été présente pour vous informer mesdames et messieurs. Une télévision qui a toujours été à proximité de la population congolaise requiert pour vous des bonnes informations. Et vous le faire parvenir. Mesdames et messieurs, c'est votre serviteur Amour Bilolo. Voilà, je suis là toujours pour vous informer, mesdames et messieurs, vous mettre toujours au parfum de tout ce qui se passe dans notre pays, la RDC, Congo-Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis Lubumbashi. Merci à vous tous qui nous suivez depuis la Belgique, depuis les États-Unis, depuis Kisangani, depuis Nord Kivu, Kinshasa, Congo-Brazzaville. Merci, mesdames et messieurs, de votre belle attention prêtée à cette émission sur TV du peuple RD Congo. Merci beaucoup aussi à mon caméraman Joseph Ntumba Balandaï. Merci beaucoup aussi à Symphorien Kalala Balandaï. Mesdames et messieurs, je suis venu au devant de vous aujourd'hui pour vous donner une information très importante mais qui blesse le cœur des Congolais. Une information qui essaie un peu d'énerver même la population congolaise, mesdames et messieurs. Moi particulièrement, mesdames et messieurs, je suis frustré. Et puis voir ce qui est en train de se passer dans notre pays, mesdames et messieurs, ça fait pitié, ça fait vraiment trop mal au cœur. Je suis vraiment écœuré tel que je vous parle ici, mesdames et messieurs. Monsieur le gouverneur Jean Bamanisa Saïdi a été destitué, mesdames et messieurs, a été déchu. Balongoli n'a pas été gouverneur, mesdames et messieurs. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Ce gouverneur est en train de dire n'importe quoi, mesdames et messieurs, par rapport à la province, à Ituri. Le gouverneur Jean Bamanisa, mesdames et messieurs, a l'air qui gestionnaire ou encore gouverneur, il y a province, il y a Ituri. Ce gouvernement vient d'être déchu par rapport à malversation, par rapport à gestion calamité, il y a province. Raison pour laquelle les députés ont compris que ce monsieur est en train de contribuer à l'échec, il y a province, il y a Ituri. C'est ainsi qu'ils ont décidé, mesdames et messieurs, de déchoir ce gouverneur Jean Bamanisa. Qui est Jean Bamanisa, mesdames et messieurs? Jean Bamanisa est né le 7 avril 1964 à Beni, plutôt à Ituri, à Kisangani plutôt. C'est là qu'il est né à Kisangani en 1964. Ce monsieur est un homme d'affaires, mais aussi un homme politique congolais. Il a été aussi gouverneur en 2013, jusqu'en 2015, il était gouverneur il y a province Ouana. Et aujourd'hui, il a été encore reconduit comme gouverneur, mesdames et messieurs, sous Fati. Il l'était sous Kabila en 2013, puis en 2019, il a été encore avec le régime Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, ce gouverneur a beaucoup travaillé dans cette province d'Ituri parce qu'il est originaire d'Ituri. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a étudié dans la école à Ituri, Kunabeni, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il est gouverneur. Il a travaillé pour cette province. Mais malheureusement, sa mauvaise gestion et sa liberté, mesdames et messieurs, qui est à déchu par les députés. Il y a province, il y a Ituri. Mais ce qui est vraiment écœurant et déplorable est que ce gouverneur est en train de dire n'importe quoi, mesdames et messieurs, par rapport à destitution. Il promet à la population d'Ituri de déstabiliser, mesdames et messieurs, cette province d'Ituri.
d'allumer le feu, de brûler le touri, na jour moko, bam. Il le dit. Il y a des proches qui le disent, mesdames et messieurs. C'est pas normal. Voir d'autres miliciens qui disent tout simplement qu'il est notre négociateur. C'est-à-dire que M. Jean Bamanissa, gouverneur déchu, il y a Ituri, Aza négociateur, tout encore Azam Tumoubou et Kopera milicien, sans problème, très bien. Donc il est parmi les gens qui sont en train de financer les groupes armés à Ituri. Codeco, FPIC et les autres. Jean Bamanissa en fait partie, des partenaires infaillibles, infatigables de ces groupes armés, mesdames et messieurs, qui déstabilisent cette province d'Ituri. Alors que le chef de l'État est en train de lutter contre ces antivaleurs, le chef de l'État est en train de lutter contre ces banditismes, cette insécurité qui bat son plein dans cette province d'Ituri. Mais le gouverneur Jean Bamanissa est en train de faire n'importe quoi parce qu'il a été déchu. Il a promis à la population d'Ituri de déstabiliser cette province en un clin d'œil. Je peux dire ça, c'est autrement dit, c'est défier les actions du chef de l'État. Là, je pense comme s'il est en train de défier les chefs de l'État, mesdames et messieurs. Et moi, personnellement, en tant que journaliste, je suis tellement contre. Je suis contre. Alors, je suis en train d'éveiller les peuples de la province d'Ituri, de faire très, très, très attention et de veiller sur cette province. Parce que cette province vous appartient. C'est la fois qu'aujourd'hui, que mot de pays, la province Wana. Mais lorsque les miliciens vont mener des actions, il y a des délinquants, il y a vandalisme. Et ça, madame Mouti, vous devez être vous-même d'abord des yéteurs. Vous-même d'abord, vous devez être des sentinelles, il y a province Tabino. Alors, quelle